Ben, il y était une fois un seigneur qui avait trois filles parmi les plus belles du pays. Un jour, qui était un jeudi, ben, le seigneur et sa femme devaient s'absenter pour un voyage bien important. Nous devons partir. Vous allez garder la maison, là, puis vous allez être capable de la garder, puis de vous garder de faire des bêtises. Bien sûr, papa, tout ira bien. Ainsi, le seigneur et sa femme quittèrent. Les trois filles avaient trois cavaliers, trois prétendants. Dès le départ de leurs parents, elles envoyèrent une lettre à leurs cavaliers, les conviant à une soirée à leur maison. Les cavaliers arrivèrent dans leurs plus beaux atours. La soirée fut bien agréable, mais il devint tard rapidement. Et puis, ils étaient pour se retirer, pour retourner chez eux. Mais les trois filles leur dirent, « Mais partez pas, vous pouvez coucher ici. » »« Coucher ici, mademoiselle. »« Ouais. » Chaque cavalier sortira dans une chambre à coucher avec une des filles du seigneur. Mais sans vous décrire la nuit, là, je peux seulement vous dire que les bibelots qui trônaient au-dessus du foyer... Ben, c'était tous retrouvés par terre en raison d'étranges vibrations nocturnes. Ben, au lendemain matin, les cavaliers retournèrent chez eux. Ce matin-là, était pas comme les autres. C'était le premier vendredi du mois. Ben oui, il fallait aller à l'église pour la confession. Bon, elles prenèrent la route de l'église. La plus jeune des trois sœurs était bien gênée de trouver une façon d'expliquer à la confesse qu'elle venait de coucher avec un cavalier. La plus vieille des trois suggéra de dire au curé ben, qu'elles ont carioté. Carioté? Oui, carioté. Ah bon, répondit la plus jeune. Arrivée à l'église, les trois filles passent à la confesse. La plus vieille passe en premier et explique au curé qu'elle se confesse d'avoir carioté. Le curé, qui était pas jeunesse, avait peur d'avoir l'air ignorant puis d'être dépassé, répondit carioté. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Ben, faites un « Je vous salue Marie » puis je vous absous. Puis c'est au tour de la deuxième fille. « Ah, mon père, je me confesse d'avoir carioté. » Le curé se dit à lui-même encore « Carioté? Qu'est-ce que c'est ça? » Mais plutôt que d'avouer qu'il était ignore en la matière des mœurs, ben il dit « Ben, faites un « Je vous salue Marie » puis je vous absous. » Vint le tour de la troisième et de la plus jeune des filles. Elle rentre dans le confessionnal. Mais pendant ce temps-là, une très vieille dame était entrée dans l'église pour attendre son tour pour aller à la confesse. Elle s'assoya à côté de deux autres, puis elle se retourna vers elle et leur demanda pourquoi qu'elles étaient ici. Elles lui répondirent qu'elles étaient venues se confesser d'avoir carioté. Carioté? Demanda la vieille. Carioté. Oui, carioté, madame, ça veut dire... Ça veut dire péter dans l'église. Pendant ce temps-là, dans le confessionnal, la plus jeune se confessa d'avoir carioté hier soir. Le curé en eut assez. Il exigea de savoir qu'est-ce que signifiait carioté. Ben, monsieur, le curé carioté, ça veut dire d'avoir couché avec son cavalier. Le curé entra en colère. Il exigea à la jeune fille de réciter 20 Je vous salue Marie, 20 rosaires et un autre 20 Notre Père. La jeune fille sortit du confessionnal en pleurant. Puis vint le tour de la vieille dame. Ah, mon père, je me confesse d'avoir carioté aujourd'hui. Le curé devint rouge. En courroux, en colère, il cria. Quel genre de paroisse de mécréants qu'on a ici? Et vous, madame, à votre âge? La vieille lui répondit qu'en vérité, qu'elle venait de carioter au moins trois fois aujourd'hui dans l'église en plus. Le curé, sur ça, éclata. En colère, bougresse. Honte à vous. Vous devriez avoir honte à votre âge. Mais la vieille répliqua. Justement, à mon âge. Je vais carioter quand je veux et où je le désire. Je vais tout de même faire ce que je veux de mon cul.